Bonjour à tous, c'est Camo qui est de retour après près de 2 semaines d'absence suite à des petits soucis de santé. Et pour revenir, j'ai décidé de présenter Overwatch une nouvelle fois, mais sur l'event des nouveaux jeux d'été 2017. Et une présentation supplémentaire sur le personnage de Doomfist. Voilà. Alors, pour commencer, on va voir un peu les nouveaux modèles légendaires qui vont être proposés. Alors déjà, on peut voir qu'il y aura Fatal, qu'il y aura McCree et Soldat 76. Reste à voir qui d'autre va bénéficier de tout ça. Sachant que d'après ce que j'ai lu, on peut récupérer aussi les anciens costumes de l'an dernier qu'on pouvait acheter pour moins cher. Alors merci, je sais qu'elle avait le costume rouge représentant la Suisse que tout le monde voulait essayer de s'arracher. Et franchement, pour 250 crédits, je vais appeler ça des crédits, c'est assez intéressant d'avoir ce costume-là que je trouve vraiment magnifique, quoi. Et maintenant, on passe au nouveau costume, qui fait assez style grec. Style, un peu Wonder Woman. Avec la couronne de laurier. Oh, franchement, c'est joli. Très très joli, quoi. Reste à voir si elle aura de nouvelles phrases à son actif en rapport avec son nouveau costume. Car c'est ça qui est bien aussi, c'est que en fonction des nouveaux costumes, des fois on a des nouvelles phrases. Ça c'est nouveau par contre. Bon. Mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec les modèles d'été. Après, Junkrat. Encore pour Chacal, voilà, tenue de cricket. Assez sportive. Ça fait un peu bizarre de le voir comme ça, mais bon. Voilà, après je pense qu'il y aura toujours des personnes qui... Voilà, donc Chopper, rien de neuf. Diva, on a le costume de l'an dernier, je suppose. Voilà. Le costume coréen. En fait, la tenue, je la trouve assez sympa, mais le mecha, je le trouve assez basique. Surtout quand on voit les autres skins du robot lors d'event, la version police, je trouve quand même que c'est le meilleur, mais bon, c'est juste mon avis personnel. Voilà. Alors pas de nouveau costume pour Diva. Doomfist, je pense qu'il va en avoir un. Ah non, même pas. Alors, quand son bras était sorti, il avait eu un costume direct, mais là. Alors Fatal, j'ai déjà le costume de l'an dernier. Que je trouvais assez sympa aux couleurs de la France. Et maintenant le costume Côte d'Azur. Voilà. Qui va plaire plus d'un joueur. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas s'il y a son tatouage dans le dos ou pas. Mais bon, ça c'est... Voilà, c'est juste un détail. Donc Faucheur avec un nouveau costume. Celui-là, on pouvait déjà le voir traîner un peu sur Internet. Mais à la base, il me semble qu'il était rouge. Mais bon, après, les couleurs, hein. Alors ça nous fait quoi? Ça nous fait déjà 1, 2, 3 nouveaux costumes.
plus Macri tout ça, ouais, on en est à 5 nouveaux costumes, quoi, en fait. Alors, Genji. On a son costume de l'an dernier, représentant le Japon. Moi, je suis pas hyper fan de Genji, donc... C'est pas le costume que je chercherais, quoi. Symmetra n'a rien. Son bras. Alors moi, j'ai son costume pour Noël de l'an dernier. Voilà. Ah, il est sympa, le petit costume de plongeuse. Franchement... Non, là... Là, je suis assez surpris, quoi. Je suis assez surpris. Alors, Soldat 76 qu'on a vu sur l'écran de présentation. Version Barbecue 76. Bon, c'est vrai que ce qui me fait rire, moi, c'est le petit pack de bière accroché au bras pour faire les grenades. Voilà, et le petit flingue dans le dos, voilà, histoire de dire que on est paré à toute éventualité. Voilà, bon, je trouve que c'est déjà mieux que la version Cyborg 76 qui ne ressemblait à rien du tout. Bon, franchement, bon, pour ceux qui ont envie de se faire un petit délire, pourquoi pas. Alors, Reinhardt, lui... Bah, rien de plus. Pharah, je pense qu'il va y avoir rien de plus aussi pour elle. Tout à fait. Orisa. Alors là, par contre... Non. Mei, elle a déjà eu quelques costumes. Il n'y a rien de plus. Macri, donc on l'a vu sur... Alors, on a déjà son ancien costume à 250 crédits, représentant les États-Unis, avec la boucle de ceinture USA. Et maintenant, on a le costume de sauveteur. Bon. Après, ce qui me fait un peu rire, c'est la couleur rouge du pistolet pour représenter les pistolets les pistolets avec les fusées éclairantes. Mais bon, voilà quoi, c'est... De toute façon, McCree n'est pas un personnage avec lequel je jouerais. Du coup, bah, je passe plutôt vite sur son costume, quoi. Bon, Lucio, je sais qu'il y avait un costume l'an dernier, même deux. Donc le costume d'attaquant. Alors ce sont les costumes du Lucio Ball, mais apparemment il n'a pas d'autres nouveaux costumes. Hanzo. Alors lui, je pense pas, non, il n'y a rien de nouveau pour lui. Après, je pense que comme chaque année, il y aura un costume pour Tracer. On verra bien. Alors Torbjörn. Ah, si, il a un nouveau costume. Ah oui, mais ça, c'est le costume de l'an dernier. Représentant la Suède. Parce qu'il est suédois, si je me rappelle bien. Tracer, je la ferai en dernier, je vais voir les autres. Alors, Winston. Pas de nouveau costume. Zarya, elle avait déjà eu deux costumes l'an dernier. D'ailleurs, soit Champion, c'est celui que j'utilise quand je joue. Le costume d'haltérophile entièrement rouge, voilà. Que tout le monde connaît dans... Parmi les personnes qui ont joué au même event l'an dernier. Et Zenyatta, qui je pense n'a pas de nouveau costume pour l'event. Tout à fait. Voilà, alors les nouveaux costumes, ça va être Tracer qui va les récupérer une fois de plus.
vu que c'est un peu la mascotte du jeu. Alors l'an dernier, j'avais débloqué le costume athlétisme, représentant l'Angleterre, que je trouvais assez sympa, qui a été joué par beaucoup de joueurs. Elle a son deuxième costume de sprinteuse, qui est un peu plus flashy, mais quelque part j'aime un peu moins. Et en fait, elle n'a pas de nouveau costume. Voilà. Alors en gros, dans les nouveaux costumes, on a Ange, Chacal, Fatal, Soldat 76 et son bras. Ah, il me semblait qu'il y avait 6 six nouveaux costumes. Ah oui, et McCree, oui, donc ça fait 6. Voilà, si j'oublie McCree, ça poserait problème. Après, j'ai pas regardé au niveau des emotes s'il y avait des nouveaux trucs. Alors, emotes, si, y a... Pourquoi pas, avec Anna, jouer avec un petit ballon. Ange. Alors, rien de nouveau. D'ailleurs, je vais regarder aussi s'il y a des nouvelles célébrations. Pas du côté de Anna. Anna, accepte de bah voilà. Mère sait ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. La douleur est formatrice. Douleur est formatrice. C'est quand même mieux que la retraite. Viens avec moi. Alors, deux nouvelles répliques. Et les tags, je sais pas s'il y en a beaucoup pour 2017. Ah si. Alors ça, je sais pas ce que c'est. D'accord, on a Hanzo qui joue au foot. Zenyatta qui joue au volley, on dirait. Et là, je vois pas trop qui c'est. Retourné obtenu, marquant un but grâce à une tête. On dirait son bras. Ou peut-être Farah. Qui fait un retourné. Bon. Alors, Ange. Alors, il n'y a pas de nouveaux émotes. Une nouvelle célébration. Ah oui, bah c'est celle de l'an dernier, ça. Avec la médaille. Sur une échelle, je sais. Avec les répliques. Oui, je vais débloquer le seul l'an dernier. Vous préférez le spray ou l'éponge magique? Ah, super référence à Blood Bowl. Une décision. Vous préférez le spray ou l'éponge magique? Pour les personnes qui jouent au jeu de plateau Blood Bowl, voilà, quand on avait des joueurs blessés, on pouvait acheter un objet magique qui s'appelait l'éponge magique, qui faisait disparaître. Tous les points de dégâts. Franchement, je trouve le petit clin d'œil assez sympa. Alors, Bastion. Il a l'émote de l'an dernier. Célébration, pareil, il a la médaille. Comme beaucoup d'autres médailles tenues par le petit oiseau. Bon, les répliques. Voilà. C'est du bastion, c'est-à-dire que ça sert pas à grand-chose. Alors, chacal. Pas de nouvelle émote. Bon, célébration avec la médaille, je crois. Tout à fait. Bon, c'est super, il essaye de la bouffer, pourquoi pas. Alors, la réplique. Ça vaut bien un 3. Voilà. Je lui donne un 10. Bon, bah. Oups. Chacal qui se fait juge maintenant, pourquoi pas, en donnant des notes.